Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Jeudi, c'est 14 février, un jour qui symbolise l'amour, tendresse, affection et même sagesse. Dans l'occasion ça, Viva Haiti a demandé avec tout kidnappé, tout bandit qui séquestre moun, nous mandé yo fon geste l'amour, fon geste tendresse, fon geste affection et même sagesse libérer moun sa. Au moun tant kou pasteur Lou Charimi depuis un petit moun pour un grand moun n'a pas kembe zam n'a tendé. Viva Haiti pense au moun qu'on ça pas doué kidnappé. Et quel que soit moun n'est pas doué kidnappé et nous demander libération pasteur Lou Charimi. Au moun tant kou Kael Jean-Baptiste qui gon émission le fait dans Radio Caraïbes presque chaque vendredi soir, il était kidnappé en première fois. Au moun nous kidnappé en première fois son moun qui décapitalisé. Ou vient kidnapper une deuxième fois, ça veut dire que son monde va décider pour vivre encore. Donc Viva Haiti vient demander libérer madame. Et même libérer tout le monde nous kidnapper. Parce que bagay ça, il va mener un pays à aucun côté. Fond d'accord, phénomène insécurité ça, qui ça la cause. Il la cause parents peu mener petit à l'école. Il la cause tout jeune qui ont des activités à faire. Ou bien cap travail, vient grand monde, vient vieillir. Il vient la cause tout petit monde qui est pérèse. Li vin la cause tout, tout le monde n'a pas qu'à vaquer librement dans l'occupation. Donc par rapport avec Bagay Sa, nous connaissons un gros bras derrière le phénomène de sécurité. Mais par contre, Viva Haiti vient dire dans l'occasion 14 février, faites l'amour, libérez tout le monde, nous sommes kembe en otage. Bon, nous allons demander libération, il va dans la prison. Permettre moun sa yo rentrer la caillou, il y a une madame, yo, mari, yo, petite, yo, a une famille, un ami, pour y aller vivre ensemble. Nous ne voulons jamais la police stopper un cas de kidnapping. Nous ne voulons jamais la police aller libérer otages qui n'ont pas kidnappé. Alors que, elle va faire pile travail. Je dis, est-ce que le travail n'est pas concentré un seul côté? Moun pas qu'à marcher dans la rue, moun pas qu'à circuler, moun pas qu'à fonctionner. Qui ça qu'a fait pour payer à sortir dans le bagage ça que je dis? Et ça fait nous vivre ici, inviter tout le monde qui s'y est à quoi. Quel que soit à quoi il y a. Chaque n'est pas qu'à gon accord sous ta balle. Chaque groupe pas qu'à gon accord dans champal. C'est pour tout accord venir mettre son seul table. Eh bien, pour nous sembler ensemble, pour nous faire un accord global. Pour permettre pays à sortir dans le cafou que je dis. Je dis, c'est que nous-mêmes, au niveau parti politique Viva Haiti, nous vivons de phénomènes de sécurité. Côté personne pas épargné. Et. Quel que soit côté ou tout, ou pas épargné des phénomènes d'insécurité ça. Ou en dans bureau l'État, gang nan veut kidnapper, li rentre le kidnapper. Ou dans la rue, il décide de kidnapper, li kidnapper. Et je vous dis, ça pi grave là. Même moun qui en dans kay pas épargné, ou en dans kay ou, gang nan rentre le kidnapper. Donc, gang yo vin créer yon peur. En dans société a vinn permettre moun tout moun a vivre avec stress de question gang kidnapping nan. Et peur ça qui gen journée jodi a en dans pays a nous te vivre li et surtout dans semaine une semaine avant assassinat Jovenel là le 30 juin jour yo te assassiné yo te massacre fait dans Delma 32 a te assassiné Nettie Duclair et Diego Charles. Dans le moment ça, pendant la semaine ça, tout le monde a été... 22. Vendredi passé, qui était 11 février 2022, nous avons gagné une belle rencontre de discussion avec nos compatriotes de l'accord Montana. C'est eux-mêmes qui demandent des rencontres là. Comme nous attendons ça, nous pas de faire nous prier et nous tous nous participons avec eux à une belle réunion. Réunion a été commencée avec 45 minutes de retard parce que des deux côtés, tu as gagné des monde qui t'a gagné quelques retards. 3 heures de discussion. C'est vrai, ce n'était pas facile, mais dans un esprit républicain, nous faisons une discussion qui était
à mon avis, très fructueuse. Et nous t'entendons aujourd'hui pour nous rencontrer, pour nous continuer dialogue là, continuer discussion hein, sur la base d'un agenda que nous avons bâti en commun. Ils arrivent aujourd'hui, ils ont quitté Primature d'après ça. Ils ont dit, après 25 minutes, c'est eux-mêmes qui disent. Je pense que, très franchement, il est venu le temps de construire ce pays sur une base de dialogue, sur une base de consensus. Et ça fait qu'on y a les 6h43. Nous, toutes nous là, et nous attendons pour nous démarrer avec discussion. Parce que nous sommes de bonne foi. Vous quittez 4h45, c'est au même qui dit. Les 6h43. Vous quittez à 4h25. Parce que vous dites, etc., vous faites autant pendant 25 minutes. Mais nous-mêmes, nous sommes qui là depuis 3h30, nous là toujours. Les 6h43, nous là toujours, nous attendons. La 7h du soir, n'a prêté n'a tan yo. La 8h du soir, n'a prêté n'a tan mondana. N'a tan yo pour nous démarrer discussion. Hein? N'a tan yo parce que nous sommes pour le dialogue. N'a tan yo parce que nous sommes de bonne foi. La 10h du soir, n'a tan yo. La petite et nous sommes essayés dans le téléphone, en pile là-dedans pour me dire retourner. Parce que nous autres signataires de l'accord du 11 septembre, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes de bonne foi. Nous voulons jouer un consensus largement large pour garantir la stabilité du pays. C'est ça le plus important. Donc on a un détail, les 80, 85, bagay ça aussi, détail. Le plus important, c'est le dialogue interhaïtien. Et nous prenons toute disposition. Pour un compte bien passé. Primature, même et petit café qui était pour nous en dedans. N'attendons. Parce que le pays a besoin de ça. Nous ne sommes pas capables à virer, tourner, etc. N'attendons, nous sommes de bonne foi. Parce que nous avons besoin de dialogue. Nous avons besoin de dialogue là pour nous capables de garantir un climat politique qui permette que effectivement. Nous engager pays à dans de bonnes élections parce que nous connaissons soit non élection controversée au départ eh bien ça ne va pas arranger les choses. Nous besoin de dialogue là pour nous capables de travailler ensemble pour nous mettre sécurité dans le pays. Je dis à la police besoin de support tout citoyen toute citoyenne pour accompagner dans la tâche difficile que le gain dans le pays a qui se mettre sécurité. Nous besoin de dialogue là pour nous travailler ensemble, pour nous bâtir un agenda commun en termes de développement pour notre pays. N'a tant d'amis yo nous yo qui n'a comme mandana. Parce que nous de bonne foi, on n'a pas fait ti virer, ti tourner, nous t'es là 80, mal là 85, yo pas recevoir, on n'a pas fait ti jouer de ça yo. Il faut être sérieux avec le pays. Il est 6h46 maintenant. Nous attendons nos amis de la Comandana. Café yo là, paix yo là. Nous allons manger ensemble. Parce que vous dites à fond dialoguer, il faut nous sortir avec un bagage. Mais attention, attention, attention. Nous sommes des signataires de l'accord du 11 septembre. Il faut qu'on commence. Il faut continuer à appliquer. Ça veut dire, et si on va venir, le SAR, il pourra le mettre le gouvernement en situation pour l'avancer avec un conseil électoral. Il pourra le mettre le gouvernement en situation pour lui et avancer et dans la mission qu'il a gagné. Parce que le gouvernement a une mission. À quoi 11 septembre, il y a une mission. Nous voulons faire avec lui. Mais il faut qu'il vienne. Nous attendons. Nous allons le téléphone. Nous allons le téléphone. Et nous espérons. Nous sommes des patriotes. Il y a pour retourner. Moment arrivé pour nous dialoguer, pour nous chercher un grand consensus, un grand compromis pour nous garantir stabilité politique dans le pays d'Haïti. Nous attendons nos amis signataires de l'accord Montana. 7h47, 7h du soir, nous là, 8h n'a pas là, 10h n'a pas là, minuit, n'a pas tant mieux parce que nous sommes de bonne foi. Merci à vous. Merci. C'est que président Jovenel Moïse, que nous avons combattu, nous assassiné le 7 juillet 2021. Nous tous nous connaissons et position que tout pays a été pris par rapport
à ce crime odieux, à cet assassinat. Et à nous quitter lui, repose en paix. Tout le monde connaît position secteur démocratique te gagné dans cette dynamique de combat qui a été celle des 5 dernières années. Il était clair, nous te dit, que les conditions n'ont pas réuni pour nous te rentrer dans le processus de négociation avec Jovenel Moïse. Nous pas dit parce que nous avons un problème personnel avec lui, parce que la bataille politique, ce n'est pas une bataille de personne. Nous te dit parce que nous te constaté te gagné un massacre qui était fait dans la Saline. Et nous avons constaté que le gouvernement n'avait rien fait pour faire punir les coupables. Nous te dit parce que ce n'est pas des paroles n'abdi. Il y a eu le dossier Petro-Caribé et la Cour des comptes font rapport qu'un des mondes qui était épinglé là-dedans. Nous te dit parce que nous te gagné plus passé 650 à 700 compatriotes qui ont été assassinés dans une dynamique de mobilisation pendant qu'ils exerçaient le droit démocratique. Il est clair que les conditions n'ont pas été réunies. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent. Tout le monde parle de dialogue. Les signataires de l'accord du 11 septembre parlent de dialogue. Les amis de Montana parlent de dialogue. Les amis de Penn parlent de dialogue. Tout le monde parle de dialogue. On est tous d'accord que le temps est au dialogue. Maintenant, c'est la dynamique. Nous sommes dans ce dialogue. Et avec le patriotisme, il a toujours été le nôtre. Maintenant, qui ça pourra le passer? De toute façon, il y a un gouvernement en place. Un gouvernement qui a été constitué sur la base de l'accord du 11 septembre 2021. Ça veut dire gouvernement qui a des responsabilités. Mettez sécurité dans le pays. Fait et on s'est eu des dossiers de justice pour ces massacres à Saline, pour ces Petro-Caribé. Avancez. Mettez organes de contrôle. Mettez conseil électoral pour la tenue de bonnes élections. Assemblée constituante. Maintenant, monde qui pas venu, ça n'a pas voulu dire. Tout bagaille ça y a campé. Le gouvernement pourra l'obliger à continuer à assumer responsabilité, continuer à exécuter l'accord du 11 septembre 2021. Mais nous souhaitons une application inclusive de l'accord du 11 septembre 2021. Enfin, nous dit malgré nous s'il y a encore, mais nous dit nous arrêter l'ouvrir pour nous continuer à dialoguer. Et c'est justement dans cet esprit que jusqu'à maintenant, nous sommes encore à la primature, nous attendons nos amis de la Cour Montana pour démarrer les discussions comme convenu. Nous sommes de bonne foi parce qu'il est venu le moment de construire ce pays sur une base de dialogue et de consensus. Nous débouclons l'avion pour mardi, moins monté au CAI. Je l'achète l'autre ticket, je rentre exactement à midi. Donc, pour rencontre. Donc, nous avons une nation en connaît. Nous-mêmes, le 11 septembre, nous avons sorti une déclaration. Pour nous dire que l'important dans ce que nous vivons là aujourd'hui, pour gagner un marché contre, pour gagner un dialogue, une négociation beaucoup plus large, d'autant plus que la section 3, article 4, l'accord 11 septembre, là, l'imandé pour qu'on négociation et négociation continue. Donc, le dialogue l'a continué. Donc, là, sans ça, les Montana mandé discussion avec nous-mêmes, les signataires du 11 septembre et le Premier ministre, et nous dit, faut négociation en fait pour nous connaître comment nous braler aux élections. Braler aux élections, d'abord, il y a le CEP, bah quoi son bagage ou capable de comme ça, tout autant qu'on joue nous encore l'âge avec tous les secteurs et les partis politiques, les associations, bah c'est le plus bon pour le pays. La question de la constituante, bah c'est ça, un monde, un secteur pas arrêté pour compte ou pour faire, que ce soit Montana, que ce soit Penn, et surtout nous-mêmes 11 septembre, tout autant de marché contre pour nous jouer nous encore sous ça, il n'y a pas encore mieux. La question de l'organe de contrôle, bon, c'est que faut le faire. Et eux-mêmes, ils sont capables d'ajouter, point par eux. Parce que l'on a dialogué avec son vignin, c'est pas son souci. Parce que chaque monde qui a venu, pour te input par eux. Donc, dans ce sens, les nations qu'on est. Nous-mêmes, nous là pour nous dialoguer. Nous là pour nous négocier. Et nous pas besoin ni arrogance avec personne. Donc, nous croyons que nous là, nous attendons, et nous sûr et certain, négociations à continuer. Donc, tant qu'Edmond Sotdi, c'est pour une question d'heure. Parce que la première réunion, pas là,
te gagne un décalage de 45 minutes. Dans la deuxième réunion, des deux côtés, te gagne un monde qui peut te... Premier ministre Ariel Henry t'a invité certains signataires accord en septembre pour accompagner dans une rencontre avec les représentants de l'équipe de Montana. Nous étions cinq membres de signataires de l'accord qui étaient accompagnés Premier ministre là, vendredi dernier pour nous être capables de répondre à une invitation que Bureau suivi, équipe Montana, t'es fait nous. Nous pas jugé nécessaire pour nous présenter tête nous devant la presse suite à rencontre ça. Parce que nous pensons que c'est pas, nous parlons de guerre de communication. Ce qui est important pour nous, c'est comment nous avancer entre Haïtiens main dans la main et pour nous capables de créer un environnement politique correct. Il y a une ambiance politique correcte qui pour permettre que nous avancions sous chemin élection. L'homme dit avancer sous chemin élection, ça t'a pas dit que nous avancions sous chemin élection qu'a fait après demain dans une semaine. Ça va pas dit ça. Mais comment pour que nous travaillons ensemble pour nous capables améliorer conditions vie population dans balle sécurité et dans garder comment dans situation malouk ça nous t'es capable de réfléchir avec Frenson qui dans l'espace politique là yo, c'est ça qui était mobile pour nous-mêmes dans la discussion que nous avons fait vendredi. Dans la rencontre vendredi, c'est une rencontre, nous avons dit, c'est vrai qu'il y a un débat houleux. Mais il était fini bien, dans le respect l'un pour l'autre. La rencontre était fini bien parce que il y a un représentant équipe Montana dans le bureau suivant qui dit au magaï, qui dit nous que Kouliéa, nous finissons avec le dialogue. Nous pensons que l'heure aujourd'hui est à la négociation. Mais c'était un bon bagage. Et PM Nantes est sauté sous ça pour lui dire, si l'heure est à la négociation, mettons les points sur la table maintenant. Et là, bon, ensemble un agenda pour qu'on puisse continuer à travailler. De leur côté, ils ont dit, non, il faut qu'on aille voir les autres. Nous pensons que discussion aujourd'hui, hein, menez-nous à un point de réflexion côté que nous croyons que nous prêts pour négocier. Nous demandons ce qui ça nous voulait pour négocier. Parole n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Nous avons essayé de mettre des mots sous table là. Est-ce qu'il faut regarder les organes? Les organes, la mise en place de l'organe de contrôle, le conseil électoral, la constituante. Est-ce qu'il faut que nous regardions ensemble les différents points qui semblaient avec des points qui dans le document Paola yo, pour ensemble nous garder qu'est-ce qui peut être négocié entre les deux groupes. Et c'est comme ça, réunion pral fini, côté que nous mettons d'accord, nous avons rencontré jeudi. Nous ne pral font la guerre sur l'heure pour nous dire 4h10, 4h5, 4h20. Mais ce qui est important, c'est que nous, à 80%, signataires qui des signataires de l'accord politique du 11 septembre, nous tous étaient là avant 4h. Nous tous étaient là et nous tapons monsieur dame Montana yo vini. Le mois 4h10, on dit ah, il y a 4h10 qui t'aime sorti à regarder. Et le mois sorti moi ouais dans salle là, il y a deux représentants, madame Denis et Ted syndic. Le mois yo moi salué yo. Et puis, il me dit, oh, je ne savais pas que vous étiez là. Il dit, oui, on vient d'arriver, mais il dit, c'est réunion, mais plutôt nous tendre quatrième. Non. Nous étions là en train d'attendre la quatrième personne pour qu'on puisse aller annoncer au Premier ministre que tout le monde est là, on a commencé la réunion. Là, nous, ouais, quelqu'un de la primature a annoncé, nous pensions que ces réunions étaient prêtes à commencer. On tenait à vous dire la vérité. Et ça nous dit, nous là, n'a pas dit peuple haïtien. Nous n'avons aucun intérêt pour ne pas dire la vérité, rien que la vérité. Ça passait, Jean nous dit là, et c'est un gros étonnement pour nous qui fait ouais nous rester jusque là. Nous pensons que c'est quelque malentendu que nous gagnons. C'est quelque chose qui a réglé la caillou à tourner. Et ça fait que jusqu'à moment là, n'a pas l'air. Nous pensons qu'il y a pour tourner pour nous continuer la réunion. Voilà, bah nous au résumé de ce qui passait vendredi et ce qui s'est passé tout à l'heure.